Carole Rivalin et Franck Bragigan, la façon la plus participative, collaborative, interactive possible avec les élèves et toute la communauté du collège. Et au-delà de ça, on a aussi cherché à faire découvrir cette œuvre de façon un peu festive aux habitants du quartier. Et donc on a initié ce pique-nicolore dans lequel chacun arrive habillé d'une couleur avec une nourriture à partager. Et à cette occasion, on découvre ce qu'ont fait les ateliers, ce qui a été fait dans les ateliers et l'œuvre. Je suis très contente depuis le début d'expérience parce que je vois les enfants plutôt à l'aise dans un groupe avec des adultes qu'ils ne connaissent pas. Je les vois chercher des solutions tout seul, sans que j'ai besoin de leur demander. En fait, ils sont totalement impliqués dans leurs activités puisqu'ils sont concepteurs à part entière dans chaque atelier. Enfin, j'ai l'impression de les voir très contents du résultat. Il y a une confiance directe et ce n'est plus un rapport professeur-élève, c'est un rapport savoir-faire transmis par des adultes. Carton. Ce bonhomme en carton, il y a un écran pour la tête et le reste c'est des silhouettes. Mmh. Et changer d'émotion, faut bouger un capteur. Ça a un petit bonhomme qui est à côté d'une frise et cette frise elle a un capteur qui permet de, et si on se rapproche, l'humeur du bonhomme va changer. Si on s'éloigne, elle va encore changer. J'ai jamais fait quelque chose comme ça et ça m'a vraiment plu. Et le fait qu'on pouvait aussi utiliser une caméra, avoir des photos, ça m'avait j'étais choquée, mais j'ai bien aimé quand même. J'ai jamais cru qu'on pouvait faire quelque chose comme ça au collège. Parce que j'ai entendu qu'ils avaient fait des autres projets avant, mais comme j'étais pas là, je suis venue l'année dernière. Ça fait que j'étais un peu trop tard pour faire les autres, mais je suis heureuse que j'ai pu faire au moins celle-là.